En 2013, je me présente sur la ligne de départ de ma première Mini Transat. J'ai fait un très très bon départ. Je me suis retrouvé en tête où les conditions étaient très très dures. Je crois que j'ai jamais revécu des moments aussi durs en course. Et puis je pense vers 4h du matin, là le bateau part dans un surf. Je me cramponne dans l'ouverture de la porte. Je sens le bateau qui il se retourne quoi, en une seconde et demie, à pleine vitesse. Donc là en fait je suis projeté sur le côté du bateau, je me cogne un peu la tête. En fait, là, je suis dans une situation un peu de détresse. Le bateau, il est à l'envers, je suis rempli d'eau. Je savais bien que j'étais absolument invisible pour les autres. La seule crainte que j'avais vraiment, c'était qu'un cargo me passe par-dessus. Ouais, je pense à Marie, qui était enceinte à ce moment-là, de notre premier enfant. Je me dis, je suis dégoûté de ne pas être allé au bout de la course et il faut que j'y retourne. Parisien, donc j'ai pas grandi au bord de l'eau. Par contre, dès l'âge de 15 ans, bah, j'ai participé à des stages sur l'archipel des Glénans. Il y a un phoque là-bas. Ouais. Pas trop vite, puis que lui fais pas peur. Ça va, mon pépère? Petit bonhomme, t'es bien à Pinfrette là? T'es tranquille en cette saison? C'était d'une part la découverte d'un sport et d'une pratique dans un environnement naturel, mais c'était aussi toute l'atmosphère et tous les liens que cette activité pouvait créer entre les gens. On vivait en collectivité sur des îles, il y avait pas d'eau courante, on avait froid, et puis il y avait une forme d'entraide. C'était quand même une révélation, cet espace de liberté qu'on avait quoi, à 15 ans. Moi, j'imaginais pas que je ferais de la course un jour. Mais on se tirait quand même bien la bourre ici dans le lagon. T'avais l'énergie nécessaire pour naviguer sous la grêle et la neige en laser. Donc après. C'est parce que je voulais faire plaisir à mon moniteur. Non. C'est bien de savoir faire mal, pas trop. Oublier que t'as froid, que t'as mal, que c'est humide. Bah, faut être un petit peu rock'n'roll pour ça. Bah, avec Pic, c'est une belle histoire. Je l'ai connu voilà, très jeune, à 16 ans. Et c'était mon moniteur de voile. C'est lui la première fois qui m'a emmené faire ma première course. Il m'a embarqué sur son bateau. Alors, on sait pas si on est le premier bateau à passer, mais en tout cas, on n'a pas mis long. Hein. Et ça a bien déboîté. Depuis qu'il m'a rencontré et que j'avais 16 ans, il s'est dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire de ce bonhomme. C'est comme ça que j'ai découvert ce monde de la course au large et que je me suis dit, c'est ce que j'ai envie de faire. Suite à mon chavirage de 2013 et ma première mini-transat qui s'arrête un peu brutalement, je prépare une deuxième mini-transat qui part de La Rochelle en 2015. Et là, ça se passe beaucoup mieux. Donc là, je me suis un peu ouvert l'arcade. Je gagne au général cette mini-transat. J'éclate pas du tout de joie quand j'arrive à Pointe-à-Pitre. Ça faisait 3 jours, j'ai pas dormi. À chaque fois au classement, j'ai encore perdu du temps et je suis convaincu en fait que j'ai perdu. Ils entendent tout le monde qui dit bravo, bravo autour. Mais ils me disent bravo, bravo pour être gentil, t'es deuxième, c'est quand même bien quoi. Donc voilà comment je passe la ligne quand je gagne ma première mini. Ça y est ! C'est une super étape. Après, le lendemain, je réalise et petit à petit, je commence à me dire ouais, j'ai gagné la mini. Là, il y a forcément quelqu'un qui dit « Non, t'as pas gagné la mini, t'as gagné en bateau de série. » Pour gagner la mini, il faut gagner sur un prototype, la catégorie un peu reine. En 2016-2017, donc j'ai ce nouveau prototype. Et pendant 2 ans, je gagne toutes les courses. Je fais un peu un sans faute et j'arrive en 2017 à La Rochelle au départ de la mini Transat
Bah forcément avec une étiquette de favori, parce que j'ai gagné toutes les courses sur ce bateau. Stop. Traverser l'Atlantique sur un tout petit bateau, sans téléphone, sans ordinateur, c'est quand même un grand quelque chose. C'est un peu éprouvant là, je suis un peu fatigué à passer la nuit là, j'ai passé la nuit à approcher le Cap Vert, à tirer les bords dans le chenal, éviter le dévent, je n'ai pas dormi. Je suis un peu fatigué et du coup là les hautes vitesses ça... C'est un peu éprouvant. La première étape avec très peu de vent, je gagne vraiment sur le fil du rasoir. La deuxième étape se déroule pas à merveille, mais presque. Et là, j'arrive effectivement en Martinique. Cette fois, je sais que j'ai gagné. Je sais que j'ai ma deuxième mini transat dans la poche. J'arrive beaucoup plus serein, reposé et voilà, juste heureux, quoi. Alors ça, c'est la ligne d'arrivée. Et ça, c'est tout le monde qui m'accompagne. C'est cool! Je crois que c'est bon là, je crois que ça sent bon! Hihi! Premier à avoir gagné la mini transat et en bateau de série et en prototype, je suis super fier d'avoir fait ça. En 2017, j'ai aucune idée de comment je vais pouvoir continuer à vivre de cette passion. Voilà, ça s'arrête et j'ai rien anticipé.